aviez décliné votre identité, votre profession, et parlez-moi de votre relation avec Monsieur Klein. Paul de la maison, gouvernante. Oh, j'aimais beaucoup Monsieur Klein. Quelle horrible tragédie. C'était un homme qui avait une allure, une élégance sans égale. Excusez-moi, je suis pas préparée du tout. J'ai gardé mon pyjama, j'ai. Tiens, vas-y, bébête. J'ai pas la tête à ça. Je m'appelle Myriam Klein, je suis directrice d'une galerie d'art et je suis la femme de. Je suis la femme de Richard Klein. Richard était un homme merveilleux. Avec qui j'ai passé de longues années de bonheur, de folie, d'aventure. Greta Mello, je suis la maman de Myriam, à la retraite depuis 5 ans. Richard était mon beau-fils, un bel homme, une classe d'enfer. J'étais très heureuse de savoir ma fille avec un chic type comme lui. Rita Klein, je travaille dans l'immobilier. Richard était mon grand frère. Je l'aimais beaucoup. Je suis outrée par ce qui s'est passé. Me dire que je ne le reverrai plus. Trevor Klein, je suis ingénieur. Richard était mon grand frère. Putain, quelle soirée. Pardon. Je m'appelle Marie-Ange Klein et je. Je m'appelle Marie-Ange Klein et je suis dessinatrice de livres pour enfants. Et comme je suis la femme de Trevor, bah forcément je voyais Richard assez souvent, quoi. Mais à vrai dire, si je dois être totalement honnête avec vous, je l'appréciais de moins en moins, quoi. Sharon Pollier. Je dirige le secteur des finances de ma boîte avec Richard. Enfin, diriger avec lui. Un homme d'une très grande beauté. Je m'appelle François Durenne. Richard était mon patron. Je travaille avec lui depuis 2 ans maintenant. On s'est très vite lié d'amitié. C'était un homme formidable. J'occupe mon poste depuis 30 ans maintenant. Ce qui veut dire que j'ai également connu ses parents et vu grandir M. Klein dans la maison qu'il occupe aujourd'hui. Enfin, qu'il occupait. Ah, je n'arrive pas à y croire. En même temps, c'est pas si étonnant que ça. Son assassinat, je veux dire. Que voulez-vous dire par là ? Monsieur Klein était très jalousé. Il était d'une beauté sans nom, muni d'une grande richesse, très doué au travail et avec une femme exceptionnelle. Mais si je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, le petit. À l'époque, Monsieur et Madame Klein n'avaient plus le sou. Ils ont failli perdre la maison. Alors Monsieur Klein a dû travailler pour sauver son héritage et arriver au sommet. À ça, il a du mérite. Et ça, c'est quelque chose que je sentais déjà à notre première rencontre, à notre début d'histoire, qui est un petit peu cliché, mais qui finalement représente un peu toute notre vie commune. Je sortais de ma galerie avec une montagne de papier entre les mains et à peine sortie de ma galerie, un homme pressé fonce sur moi, me fait tomber et je l'entraîne dans ma chute. Tous les papiers tombent, s'envolent autour de nous. C'est magique, c'est un moment comme on n'en fait plus. Et là, nous nous retrouvons l'un face à l'autre et nos regards se croisent, le mien un petit peu énervé de devoir ranger tous ces papiers, de me rendre compte du travail que ça m'a demandé, et lui, désolé. Donc très vite, je m'apaise voyant sa détresse et sa gentillesse. Et donc là,
J'ai su. Directement, j'ai su que ça allait être ma moitié, qu'on allait faire notre vie ensemble, fonder une famille ensemble. Et donc j'ai invité au restaurant et depuis, nous avons toujours mangé à la même table. Je travaillais dans une usine de vêtements. Ça n'a pas été facile tous les jours avec ma petite chérie, mais on s'en est toujours sortis. Puis son père a très vite arrêté de faire partie du décor, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je mène une vie modeste. Et je suis très heureuse de savoir que ma fille gagne aussi bien sa vie. Puis, quelle maison! Je lui confiais tout. Richard était toujours à l'écoute des autres. Toujours là pour aider. Nous avons grandi ensemble avec Trevor et Richard et ce fut une enfance incroyable. Je l'aimais énormément, vous savez. Il a toujours été là pour moi, que ce soit pour des galères de thunes ou des galères de meufs. M'imaginer quelqu'un ait pu lui faire ça, mais... Bah en fait, il a toujours été trop parfait, vous voyez. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on a tout donné. Alors que Trevor est un homme honorable, quoi, tout comme Rita. Mais c'est comme si personne ne le remarquait, en fait. Paul n'avait Dieu que pour Richard. Ça a toujours été son chouchou, donc... Il occupait une place très particulière dans mon cœur. On se voyait beaucoup au début, et puis dernièrement, un peu moins. Je regrette d'ailleurs. Quelle horreur cette soirée. J'imagine que vous le savez, on avait une liaison. Enfin, pas la peine de me sortir les photos ou je ne sais quoi, je n'ai rien à vous cacher. Et depuis combien de temps entreteniez-vous une relation avec Richard ? Ça va faire un an, je crois. Ressentiez-vous des sentiments amoureux envers lui ? Non, pas du tout. C'était un homme d'une grande beauté. Et marié, qui plus est, une affaire de désir, pas d'amour. Bien que lui voyait les choses autrement. Saviez-vous que votre mari avait une maîtresse ? Comment ça ?